Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvel épisode, les bâtards à l'école numéro 19 et j'ai envie de dire l'avant-dernier épisode. Pourquoi? On vous en parle juste après. Yes. Et on doit vous dire juste avant de commencer la vidéo que le sponsor vous offre la possibilité de remporter un iPhone 13 Pro et des cartes cadeaux Amazon grâce au lien qui est dans la description. Ce sponsor, c'est un nouveau jeu qui vient tout juste de sortir en France. Il s'appelle Mythic Heroes. Alors n'attendez plus, dès maintenant, téléchargez-le via le lien qui est dans la description. Pour le découvrir en avant-première et avoir une chance de gagner l'iPhone 13 Pro. Le dernier, petite présentation très rapide du jeu. D'ailleurs, c'est les élèves qui vont vous présenter ça. Non, parce que ça, faut qu'ils bossent un petit peu. Vous avez appris vos leçons? Ouais. Tiens, commence, toi t'es con en plus. Mythic Heroes est un jeu de rôle et de stratégie mobile gratuit avec de super graphismes hyper cool à la sauce manga. Ouais, il est moins con que je pensais. Ouais, il bégaye un peu ouais, quand même. Ouais, mais ça va. Bravo Lionel. Mais monsieur, j'ai pas bien compris, c'est vous qui touchez l'argent pour le placement de produit? Oui. Mais pourquoi c'est à nous de faire la pub? Ta gueule. Ça te va? Julie, tu enchaînes? Alors dans Mythic Heroes, tu peux recruter plein de héros légendaires comme Zeus, Athéna, pour les héros de la mythologie grecque. Il y a aussi des héros égyptiens ou nordiques. Bref, il y en a pour tous les goûts et ils sont tous représentés. C'est bien Julie, bravo. Lucie, tiens. Dans Mythic Heroes, tu peux progresser même si tu joues pas parce que t'as un mode automatique de jeu. C'est un peu le Football Manager, mais version jeu de rôle, quoi. Pour fêter la sortie du jeu, tous les participants ont juste à télécharger le jeu qui est en lien dans la description. Voilà, vous le téléchargez et pendant 7 jours d'affilée, vous allez recevoir des tonnes de cadeaux. Ça correspond à peu près à 200€ de cadeaux. Et en plus de ça, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un nouveau héros super rare. Et ça fait beaucoup de cadeaux. Rappelez-vous, tous les joueurs téléchargeant le jeu via le lien qui est dans la description participeront automatiquement à un concours de puissance organisé rien que pour la communauté. Il y a cet homme, la nôtre. La puissance, hein. Plus vous développez votre compte et plus vous gagnerez des points de puissance. Et le joueur ayant accumulé le plus de points remportera l'iPhone 13. Ça sera pour lui. Et les autres joueurs du top 20 remporteront aussi des cadeaux exclusifs. Et deux d'entre eux remporteront même une carte cadeau Amazon d'une valeur de... De 100€. Ouais. On peut en faire des choses avec 100€, hein. Ah oui. Le classement live et toutes les autres informations sont disponibles sur la page de l'événement et dans la description. Et comme on vous le disait, le 19, c'est à l'avant-dernier, parce qu'évidemment, après 20 sur 20, on peut pas aller plus haut. Voilà, on s'est dit qu'on allait arrêter à l'épisode 20, parce que bah forcément, ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ce concept. Voilà, c'est le concept qui nous a fait découvrir au grand public sur YouTube, donc on adore, mais c'est vrai que je pense qu'il faut savoir s'arrêter, on s'est mis d'accord, et toute bonne chose a une fin. On tournait peut-être un petit peu en rond, on commençait à avoir la fin du concept, quoi, tout simplement. Oui, on veut pas tourner en rond, justement, donc voilà, là, on a encore ce qu'il faut. Et du coup, on va organiser un grand événement aux millions d'abonnés, donc dépêchez-vous de passer aux millions d'abonnés. Comme tu disais, on a encore ce qu'il faut pour faire deux bons épisodes et un épisode incroyable. Et cet épisode incroyable, où est-ce qu'il sera diffusé? Il sera diffusé un peu partout en France, en tournée et même en Belgium. En Belgique. En Belgique, oh, le Belge, on va venir vous voir. On va venir vous voir en tournée dans toute la France pour diffuser cet événement du dernier bâtard à l'école et du million d'abonnés. Donc dès qu'on aura atteint le million d'abonnés, on vous fout l'événement partout et on passe vous voir et on fait la fête tous ensemble. Voilà, on compte sur vous. Et alors là, plus que jamais, en route vers le million. S'il vous plaît. Bonne vidéo. Allez, moi j'appelle. Oui, toi Jawed, t'as 21 sur 20. Mais y'a que toi Jawed. Putain, il fait quoi le prof? Vas-y, on se casse, ça fait 10 minutes. Franchement chaud. Salut tout le monde. Oh, bah oui, je suis en retard. Oh, bah pour une fois, dit. Ah, monsieur, on pensait que vous n'allez pas venir, sérieux, là. Ah, ouais. Ah bah, tu vois, je suis là. Oh, vas-y. Oh là, vous avez pas l'air content de me voir, hein. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose de mieux à faire? C'est ça, Domenico? T'as pas l'air content? T'as quelque chose de mieux à faire? Alors, oui. Oui? Ok. Eh bah, tu sais quoi? Vas-y, dis-moi. Dis-moi une bonne raison. Une bonne raison, je te laisse quitter la classe. Sérieux? Ouais, je t'assure. Si t'as quelque chose de mieux à faire, dis-le-moi et je te laisse quitter la classe. Tout de suite. Je dois aller changer la couleur de mes lunettes. La couleur de tes lunettes? Ouais. D'accord. T'en as marre de voir la vie en jaune pisse? Tu me diras, ça va bien avec ta tête de bite, mais bon. Quelqu'un d'autre a quelque chose de mieux à dire? Oui. Oui. Moi, j'ai un test de grossesse à aller faire. Un test de grossesse, Lola, super. Oui. Mais pourquoi c'est qui le père? Bah ok, file, Lola, vas-y. C'est bien parce que t'as une bonne excuse, hein. Ça, c'est valable. Tu nous tiens au courant, enfin, tu me tiens au courant quand même, hein, parce que c'est des choses que, pour le professeur, il doit savoir un petit peu, hein. Voilà, ça, si j'ai fait des couches ou ça. Et tu regardes Danser avec les stars? Ouais, j'adore.
T'es pour qui? Je suis pour Michou, moi. Je le trouve trop beau, il est trop fort. Allez, mais Miguel, je vais le DM, mais fort. Ah non, moi, je suis pour Bilal. Ah, putain. Ah. La caricature même de l'homosexuel. Bah quoi? Excuse-moi, c'est un homme travesti en femme qui danse avec un autre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais. Peu importe que ce soit un homme ou une femme. Bah ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah écoute, même Delormo qui est homophobe, il est d'accord avec mon point de vue. On est en 2021. Ok, on est en 2021, mais un bébé aujourd'hui, il tète les seins de sa mère pour récupérer le lait. Ok? Il bouffe pas les couilles de son père pour récupérer la semence. On est d'accord? Non, mais n'importe quoi. C'est limite, Lionel, hein. Bah ouais. Bah c'est limite, mais bon. Et vous, monsieur, vous en pensez quoi? Oh non, on mettait pas dans un truc comme ça, non. Ils font ce qu'ils veulent, voilà, voilà. Tout le monde doit être traité de manière égale. Bah voilà, merci. C'est bien ça. Donc si vous avez un fils gay, vous vous en foutez? Gay, genre joyeux? Non, mon fils, de toute façon, il faut qu'il soit gay, hein, c'est important. Non, gay homosexuel. De toute façon, moi je veux une fille, donc. Voilà. Bah alors votre fille, elle peut être homo? Oh ta gueule, hein, ça va, hein, j'ai déjà un frère qui est gros. Hein? La foudre, elle tombe pas deux fois au même endroit, il paraît. C'est bien. Pas du tout, pour le coup. Bon, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, je suis pas d'humeur, d'accord? Donc le prochain qui me fait chier, je le fous dehors. Il y a un exercice à faire, je veux pas vous entendre broncher. Ça va? Allez, vous avez 15 minutes. Putain, Aurélien, j'ai dit quoi? Pas de bruit, là! Mais monsieur, j'ai rien fait. Ok, c'est vrai, excuse-moi. Monsieur, ça va? Fabeille, oui. Oui, oui, si, ça va, t'inquiète pas, c'est ça. Vous avez l'air tendu, ça va? Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu tendu en ce moment, ça va pas trop. Vous savez, on est là pour vous, hein. On vous aime bien. On n'aime pas quand vous êtes comme ça. Ouais, ça va aller. C'est une passade, ok? Mmh. D'accord. Allez, venez. Bon, merci, Fabeille. Allez, courage. Merci. On est là, vous savez. Vous pouvez nous parler. Hein. D'accord. J'adore. Merci, ma belle. C'est vrai que je suis tendu en ce moment, c'est fou quoi. Oh. Monsieur, moi si ça va pas, ça va. Putain, Enzo, je suis super tendu là! Pourquoi tu me touches? Ouais, ça va. Ça va. Tu vois pas que je suis sur les nerfs? Ouais, pas de soucis. Arrêtez avec vos rumeurs à la con, c'est pas marrant. Arrêtez. Vous avez quel âge? Mais c'est bon quoi. Arrête. Y a pas intérêt à ce que vous lui dites. Y a pas intérêt à ce que vous lui dites. Monsieur. Oui. C'est qui l'élève que vous aimez le moins dans la classe? C'est toi. Ah bah sympa. Mais monsieur, votre élève préféré, genre c'est lequel? Je dis pas, c'est Jawad. Genre c'est Jawad. Même s'il est algérien, égyptien? Non, oui, il est algérien et quoi? Égyptien. Je l'ai bien dit, ouais. Et j'ai quoi? Égyptien, ouais. Non, mais rentrez pas dans l'enjeu. Hein. Depuis ce matin, ils se mettent ça dans la tête. C'est n'importe quoi. Je suis algérien, tu comprends pas quoi, toi? Ah ouais. Ah ouais. Et ça, c'est quoi, ça, alors? Rouge, blanc, noir, rouge. Non, mais, monsieur, vous allez pas rentrer là-dedans, quand même. C'est bon, parce que j'aime le blanc, le rouge et le noir, je suis égyptien. Tu m'attribues une nationalité avec une couleur, mais ça va pas, toi? Non, mais c'est une coïncidence. Et ça? Alors? Putain, ça ressemble quoi? Non, mais t'as quel âge? Non mais monsieur, moi. Non mais monsieur, c'est bon, je pourrais très bien avoir le même coiffeur que Mohamed Salah. Non mais je te crois, Jawad. Bon, ça suffit vos bêtises là. Allez. Mais n'importe quoi. Et toi, rends-moi ma casquette. Monsieur, vous avez vu ce qui... C'est quoi ça, monsieur là? Pourquoi on fait ça? C'est parce que vous croyez, monsieur. Monsieur, c'est quand la dernière fois qu'il a eu 20, Jawad? C'était sur la pyramide de Maslow. Jawad? Jawad, tu vas me dire la vérité maintenant. Je vais te poser une question. Riyad Mahrez, l'enfant prodige, trop beau? Ou Mohamed Salah, là? Il mérite le ballon d'or, quand même. D'accord. Ok, ils ont raison. Mon père est égyptien. Et là, en posant cette question, vous me demandez de choisir entre ma mère et mon père. Bah, choisis ta mère, connard! Riyad Mahrez! Méchant! J'ai super chouette. Pardon, je te trahis. Mais non, dis pas ça. Tellement le meilleur. Oh, toi aussi. Avec ton pied gauche magique. Ah, il en a mis des coups, Mahrez. T'as vu celui contre le Nigérian demi-finale de la CAN? Inch'Allah, t'es ballon d'or. Ah, Inch'Allah, mais je sais pas, parce que là, elle est pas toujours titulaire avec Guardiola à 6 tirs. Mais monsieur, mais moi, je suis 100% algérien. Toi, Walid, t'es quelqu'un de mauvais, d'accord? T'as un mauvais fond, Walid!
Salut les loulous, ça va? Ouais. Aujourd'hui on va se regarder le petit film que je vous ai promis. Camille, ça va te plaire hein, ça, hein? Bon, c'est la fin d'année, voilà, je me suis dit on va se faire un petit kiff, un petit film. Je fais l'appel vite fait, hein, histoire de Lionel. Présent. Lola. Présente. Ok, on est qui? Marianne. Oui. Gaëtan. Présente. Camille. Non. Camille. Non, elle est pas là monsieur, elle est malade. Ouais, elle a un petit problème d'intestin. Quoi? Ouais, hier elle était vraiment pas bien, elle a dit que... Comment ça elle est pas là Camille? Attends, mais on prévient pas comme ça le jour même, je me suis fait chier à télécharger le film pour elle. Mais monsieur, c'est pas grave ça, on est là nous. Mais je t'emmerde toi, tu crois que tu comptes pour 10 ou quoi? Bon monsieur, on regarde le film? Ouais, ouais, j'arrive, comment c'est sans moi? C'est super bizarre en ce moment. Je crois qu'il y a sûrement son problème de testicules biliaires. Bonjour, c'est Raoul, le concierge de l'école. C'est pour vous prévenir que le prof d'espagnol, il sera absent tout à l'heure. Non mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? On vous reconnaît. On vous a cramé, hein? Non, c'est pas moi, c'est Raoul. Non mais monsieur, arrêtez. Pff, ils sont même pas droits, en plus. Mais si je vous dis que c'est Raoul, c'est pas moi. Loco le déguisement. Si vous avez les poubelles à descendre, j'ai mis les sacs devant la porte. Moyen, Domenico, c'est pas fameux. Non mais monsieur, il manque minimum 3 points là. Ouais, monsieur, moi aussi vous m'avez oublié 2 points là. Oui, moi on m'avait enlevé 1,5 point, monsieur. Ah, ça va, là là. J'ai simplement été pris la main dans le sac en faisant une bonne action que j'ai voulu vous faire partager. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un garçon dans cette classe. Il vous adore. Il est innocent. Il est beau. Il est jeune, il a plein de talent. Malheureusement, il n'a pas eu la chance que vous avez d'avoir des points. Alors, j'ai pris un peu de chacun d'entre vous. Et je lui ai donné. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une blague. T'as combien, Jawed? Mais ça te regarde pas. Pardon? Bah ça te regarde pas. Est-ce que je te demande t'as combien, toi? Bah j'ai 20, voilà. Voilà, j'ai 20. Mais t'étais même pas là, il était même pas là. Oh là là, il était pas là, il était là, mais... Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, Fabeille? Oh là là, elle est chiante, elle. Eh, j'ai envie de chier. Bah, parle à Fabeille, je te jure, 2 secondes après, tu vas chier, mon pote. Bah ouais, moi aussi, monsieur, j'étais pas là, j'ai eu combien? J'étais pas là, j'ai eu combien? Bah, il est pas là, t'as 0. Il est pas là. Il est pas là. Allez, il est pas là, mais il veut une bonne note. Ok. Ah, mais tu sais quoi, Jawed, vas-y, rends-leur les points, rends-leur les points. Bah, franchement, je vais bien partager. Non, non, tu les gardes, hein. Tu les gardes, hein. Putain de monde d'égoïste. À la sauce manga. Et putain, c'est pas ça du tout. Putain, Marianne. Mais c'est toi qui dis, de toute façon, je voulais une fille. Et c'est là que je te dis, bah oui, je serais une fille. Ces deux hommes, il aura assez pour remplir un biberon. Viens, on reste que... Tu dis-lui avec de l'eau, ça fait d'orgea. Tu le regardes comme ça, il se déplace comme une grosse tortue de mer. Dites pas faire de bruit! Mais monsieur, j'ai rien fait! Café, pas vrai! Gueule, toi, tu crois que t'as des seins? Bonjour, c'est Raoul! Le Vous savez vider les poubelles? Ou je le fais? Mais tu m'emmerdes avec ton film, toi! Oui, un petit qui grandit. T'allais parler. C'est abusé. Elle a parlé. Mais elle est chiante. Qui te connaît en France? Personne. Qui connaît Enzo en Italie? Dites-le. Allô? Allô, Dieu? Il a non plus. Il connaît pas. Comment dire en Italie? Zero, zero. T'es italien, toi? Zero, Enzo, zero.
Merci à Mythic Hero d'avoir sponsorisé cette vidéo. Rappelez-vous que tous les liens pour télécharger le jeu sont dans la description. Pour apporter l'iPhone 13, il vous suffit juste de participer au concours de puissance. Hein, vous téléchargez le jeu qui est en lien dans la description. Et en plus de ça, si vous téléchargez, vous allez automatiquement recevoir plus de 200€ de cadeaux pendant une semaine. Et le nouveau héros super rare. Et ça il est bon celui-là dans le jeu. Il est très très bon. Toutes les infos sont dans la description. C'est tout bénef, tu joues à un jeu hyper cool. Tu peux gagner un iPhone 13 et en plus un pack bonus de 350€. C'est magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous ou la petite cloche pour les notifications, c'est très important pour nous. Et n'oubliez pas, plus que jamais, en route vers le million. Allez, à ciao ciao, bye bye. À très bientôt. Bye bye, bye ciao ciao. Très 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 bientôt. Ciao ciao ciao, bye bye. Très 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 bientôt. Like, abonnez-vous, comme ça on y arrive vite, là on fait cet événement, on n'en parle plus. Hein. Allez.